En période de stress et en période de crise, lorsqu'on nous lance un SOS, qu'au-dessus de nos têtes le ciel est gris, on cherche ensemble à revoir une lueur d'espoir. Et si l'on prenait le temps de penser à faire les choses autrement, si l'on prenait le temps une fois pour vivre différemment, ici et maintenant, pour toi, pour moi, pour les enfants qui, un jour devenus grands, ce jour-là, je leur dirai fièrement qu'en 2020, on a serré les fesses, passé cette épreuve, éteindre les feux de détresse. On était presque rien, il y avait tout à refaire, à recreuser le chemin, penser la nouvelle ère, réviser l'origine, écrire la page de demain. On est toujours plus fort ensemble. Et si l'on prenait le temps de penser à faire les choses autrement, si l'on prenait le temps une fois pour vivre différemment, ici et maintenant, pour toi, pour moi, pour les enfants qui un jour devenus grands, ce jour-là, je leur dirai fièrement qu'avant, on se croyait solide et qu'un tout petit virus est né. La planète fragile a épuisé nos ressources. On a révisé les bases, on est retourné à la source. Consommer différemment, prendre conscience qu'on est tout petit face à la foule. On a su rebâtir le monde ensemble. Et si l'on prenait le temps de penser à faire les choses autrement, si l'on prenait le temps une fois pour vivre différemment, ici et maintenant, pour toi, pour moi, pour les enfants qui un jour devenus grands, ce jour-là, je leur dirai fièrement qu'on a revu en local ce que l'on croyait banal, envier les billets business class, puis retrouver la raison. On s'est redonné les moyens de prendre le temps à la maison. On a donné des couleurs à l'essentiel, à la nature, au petit bonheur. On a trouvé ensemble cette lueur d'espoir. Et si l'on prenait le temps de penser à faire les choses autrement, si l'on prenait le temps une fois pour vivre différemment, ici et maintenant, pour toi, pour moi, pour les enfants qui un jour devenus grands, ce jour-là, je leur dirai fièrement ne jamais rien lâcher, être optimiste, positif, se renouveler, y croire et s'accrocher, et s'activer, s'activer, se renouveler, ne jamais rien lâcher, être optimiste, positif, se renouveler, y croire et s'accrocher, et s'activer, s'activer. Penser à faire les choses autrement, si l'on prenait le temps une fois pour vivre différemment, ici et maintenant, pour toi, pour moi, pour les enfants qui un jour devenus grands, ce jour-là, je leur dirai fièrement.